C'est désormais dans les locaux du Parlement au plateau que sont situés les bureaux du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Finit donc la délocalisation à Cocody, qui durait depuis mars 2012, date de son accession au perchoir. La réhabilitation et l'équipement des bureaux ravagés depuis 2009 par un incendie ont coûté au gouvernement américain 150 millions de francs CFA. Le soutien du gouvernement américain à l'Assemblée nationale se traduit par un programme de 6,5 milliards de francs CFA sur 5 ans, visé le renforcement du système législatif. Une Assemblée nationale compétente est primordiale pour une démocratie stable et déterminée, en particulier au moment où la Côte d'Ivoire se prépare pour les élections présidentielles de 2015. Premier à se réjouir du soutien des États-Unis via l'USAID à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le président de cette institution. Monsieur l'ambassadeur, je me réjouis que notre désir de faire de l'Assemblée nationale une institution forte et moderne au diapason des aspirations profondes des populations ait trouvé un écho favorable auprès du gouvernement américain par votre présence constante, régulière à nos côtés. Se félicitant du soutien du gouvernement américain, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, espère pouvoir bénéficier de celui des partenaires au développement. Reste à doter l'ensemble des députés d'un cadre adéquat de travail, de bureau notamment. Un investissement estimé à 9 milliards de francs CFA.